Bonjour à tous, on est jeudi 2 mai et on se retrouve pour un haul. Alors j'étais à Action et à Centre Accor ce matin. Ça va être un peu décousu mais c'est pas grave. En fait j'y étais parce qu'il me fallait de la ficelle pour mettre sur les petits pots. Vous savez que je fais en décoration pour le mariage. Et je voulais de la ficelle blanche, mais j'en ai pas trouvé à Action, j'en ai trouvé à Centre Accor. C'est pour ça que j'étais aussi à Centre Accor. Donc à Centre Accor j'ai pris ça. Pour faire des petits nœuds pour décorer les ramequins, justement. À 1,99 les 10 mètres, c'est du fil, c'est de la cordelette. Voilà. Donc c'est pour faire des petits nœuds. Je pense que ce sera. Non, je suis sûr que c'est la bonne épaisseur. C'est ce qu'il me fallait. Donc voilà. Alors je vais regarder, mais je pense que ça va aller. Ouais. Voilà. Ça, c'est pour les pots qui ont de la dentelle. Enfin, qui ont des trucs comme ça, là, voilà. Et je vais faire un nœud avec la ficelle qui est là. Et sur les pots qui ont de la dentelle blanche, je fais un nœud avec le fil de jute. Donc j'en ai pris deux rouleaux parce que je ne sais pas si j'en aurais besoin de un ou de deux. Et j'ai trouvé ça, des petits cœurs comme ça en bois, là. Et à 1,99, c'est pareil, en même temps, je les ai pris. Je me suis dit que ça pourrait faire sympa de mettre ça sur les décos. Donc voilà. Alors attendez, puisqu'en même temps, je range ça à côté de moi. Puisque j'ai tout ce qu'il faut pour faire les pots à côté de moi. Voilà. Ensuite, donc c'est tout pour Centre Accor. Hein. J'ai été à Action. J'ai trouvé la pâte miracle, soi-disant, à 2,78. Et donc, en fait, moi, c'est pour essayer de frotter ma gazinière. Parce que j'ai des taches qui sont incrustées sur la plaque de cuisson, quoi. C'est une gazinière blanche et qui partent pas. Et du coup, je vais essayer avec ça et voilà, je voulais essayer. Soit disant que c'est miraculeux d'après les vidéos qu'on voit, donc on va essayer, on verra bien. Je me suis pris un masque biphase à l'avocat à 2,19 €. Voilà. Je me suis pris un petit déo comme ça à 1,99 € argile. Enfin, je sais pas, mais celui-là, je sais qu'ils sont bons, je l'aime bien. J'en prends de temps en temps. J'ai repris du scotch de masquage à 1,35. Ça, j'en avais plus et j'en ai besoin quand je fais des tableaux pour faire des contours blancs ou quand je fais mon cahier d'art du journal ou quoi. Voilà, je m'en sers pas mal. Donc, c'était bien que je reprenne parce que j'en avais plus. J'ai trouvé ça à 94 centimes. Donc, c'est du ruban, des toiles, des. Bon, c'est trois rubans. Il y a d'autres couleurs. Il y a violet, rose. Et cette couleur, et c'est tout ce qu'il y avait dans mon action à moi, dans les rayons de mon action. Alors, on va l'ouvrir. C'est bon. Donc, voilà, ça fait de la cordelette. Couleur marron foncé, couleur café, on va dire. Et surtout, c'était ça qui m'intéressait pour mettre sur mes pots. Vous voyez l'espèce de petite dentelle là. Alors, je sais pas où est-ce qu'on va les récupérer le premier morceau. Ça paraît bien compliqué. Je sais pas du tout. Ah, peut-être là. Non, pas du tout. Alors, eh ben, c'est pas grave, on va faire le tour. On va peut-être le trouver. Je sais pas. Ça a l'air tout emmêlé. On va le défaire, c'est pas grave. De toute façon, hop. Voilà, comme ceci. Et donc, ça, les tons blancs ou crème. Et voilà, pour mettre sur les petits ramequins, ça fait joli. J'en avais un qui était blanc plus clair et que j'ai fini. Donc, voilà. Donc en fait, celui-là, il est pris là-dedans. En fait, c'est tout emmêlé, donc pour y défaire, bah, c'est génial. Bon, je vais peut-être faire ça hors caméra, je sais pas, ouais, je ferai ça hors caméra, puisque ça a l'air emmêlé sur... Ou alors j'ai pas pris le bon départ, quoi. Ouais, il y en a pas mal, hein. Franchement, c'est grand, je sais pas combien il y a de centimètres par bobine. Est-ce que c'est marqué? Il y en a un bon paquet quand même, hein. Non, il n'y a rien de marqué. Rien du tout. Mais franchement, il y en a une belle longueur. Ouais. Bon, voilà. Je pense qu'il y en a bien 2 mètres. Je pense qu'il y en a 2 mètres. Donc, franchement, 94 centimes, ça vaut pas le coup de s'en priver, hein. Moi, c'est le genre de choses, de toute façon, que j'utilise aussi beaucoup. Tout ce qui est fil de sisal, fil de jute, tous ces trucs-là, et les rubans aussi. Donc voilà. Et alors, j'ai craqué sur quelque chose que je n'en avais pas forcément besoin. Mais ça, c'est plus un craquage parce que ça me faisait plaisir. J'ai pris cet assortiment de washi tape. Donc, ils étaient en promo cette semaine à 3,39 €. Et franchement, il y avait d'autres couleurs. Mais ces couleurs-là, avec les fleurs et tout, pour le printemps, c'est trop chouette.
C'est pareil, je voulais regarder avec vous. Alors, on va l'ouvrir. C'est bien scotché de partout. Il y a un scotch sur chaque... enfin, il y a quatre scotchs, quoi, du coup, pour tenir tout ça. Et donc, voilà. Donc ça, c'était pas... Enfin, c'était pas forcément... J'en avais pas besoin, essentiellement besoin. Mais franchement, moi, j'adore les washi tape. Et ceux-là, franchement, ils sont trop beaux. En plus, j'ai un peu toutes les couleurs, là, pour le printemps. C'est cool. Du rose au... Enfin, du rouge, du bleu avec du or, là. Là, dans les tons vieux rose, j'adore. Dans les tons vert, rose. Et là, jaune orangé, c'est sympa aussi. Donc voilà. Et en plus, ils ont plusieurs tailles différentes. Donc ça, c'est pas mal. Et du coup, je me suis amusée. Je vais essayer de me faire un espèce d'agenda de bulle. Enfin, en genre bullet journal, quoi. Et du coup, ça m'arrange d'avoir des scotch très fins pour faire les cases et tout. Des jours ou des semaines, ça va être super sympa. Je vais pouvoir changer de motif enfin, selon ce que j'ai envie. Et changer de couleur selon les mois ou quoi. C'est super sympa. Franchement, ils sont super beaux. Enfin, voilà. Moi, j'adore les washi. Donc, voilà. Voilà. Donc, voilà pour ce petit haul. Il n'y a rien d'extraordinaire. Il n'y a rien de foufou. Mais je voulais quand même vous faire un petit haul. Et voilà. Et sinon, ben, moi, j'avance mes ramequins là, que j'avais à faire. Parce que j'en ai 77 en tout et pour tout à faire. Et donc, voilà. Donc, en fait, la ficelle, je vais vous montrer. C'est pour faire les petits nœuds comme ça de finition là, que je colle sur les ramequins. Et ce matin, je me suis amusée à faire bah, justement une pochette avec des nœuds, avec de la cordelette que j'avais. Alors, cette cordelette, elle me plaisait pas du tout parce que ça fait plastique et ça me plaît pas. Mais du coup, j'ai fait avec de la jute et avec de la cordelette comme ça. Mais j'en avais qu'un petit bout et c'est pour ça que je me suis dit que j'allais voir si j'allais en trouver d'autres. J'ai pas trouvé en satin comme ça, mais bon, j'ai trouvé dans les couleurs crème. Ça ira pour ce que j'ai à faire, quoi. Voilà, et c'est surtout pour faire les finitions. Donc voilà. Et ben, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir.